présente aujourd'hui la Vache Heureuse la Vache Heureuse qui a été fondée par Conrad Schreiber, Angela et moi-même, Anton Sittler euh, maintenant 10 ans et nous avons nous des euh, objectifs bien clairs c'est un carrefour des échanges, des savoir-faire du terrain avec la recherche à la même temps en, sur grand grande surface et euh, la Vache Heureuse elle a clairement les fondamentaux de et aider à les agriculteurs, revenir à cette autonomie de réflexion, réflexion, autonomie fourragère, autonomie sol pour nourrir tout le monde, si c'est les animaux, l'homme, pourquoi pas l'énergie méta et le sol surtout. Se faire toutes les rations de les quatre et un revenu décennal de celle-là, c'est clair. Faut que ce soit rendable, productif, et un, comme ça, il y a un avenir derrière. Pour arriver à faire tout ça, on a toute une équipe des ingénieurs et des techniciens, un bureau derrière aussi, euh, qui cherche, qui peut vous conseiller à tous les instants, sur le terrain, par formation en équipe, groupe, technicien et individuel. Et surtout aussi aux formations sur les fermes de la vache heureuse merci. bonjour. c'est pierre de la vache donc je gère le pôle agronomie à la vache heureuse. l'objectif, c'est de faire du, dans un premier temps, du conseil stratégique, donc c'est à dire progresser vers l'autonomie en élevage, l'autonomie protéine en élevage et la conservation des sols. donc ensuite, on fait du conseil et suivi technique sur le terrain et par téléphone. donc, euh, comment se présente l'offre, c'est. Euh, euh, on essaye de travailler sur la diminution du travail du sol, euh, l'optimisation de la fertilisation et la travail sur la lutte biologique pour essayer de diminuer la consommation d'intrants chimiques tout en conservant des rendements équivalents. Voilà pour les cultures de vente et pour les fourrages. Ces fourrages qui seront utilisés euh, dans les rations, l'objectif est de créer des rations le plus autonomes possible pour être le plus résilient et rentable. Pour aller plus loin dans l'offre de conseils en élevage, mon collègue va vous en parler. Bonjour, c'est Arthur Klaus. Donc, je gère le pôle zootechnie de la vache heureuse. Donc, le pôle zootechnie, il se catégorise en deux types d'offres une offre pour les éleveurs laitiers et une offre pour les, les éleveurs allaitants. Donc, dans ces, ce pôle-là, donc, quand on va en élevage, on commence toujours par un audit où le but c'est vraiment d'en apprendre plus sur l'agriculteur, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre ses valeurs, ses ambitions, dans quelles thématiques il aimerait qu'on avance ensemble. Et donc, c'est vraiment de, de répondre par la suite, ensuite avec notre conseil personnalisé, aux besoins de l'agriculteur et à sa demande. Donc, ensuite, une fois l'audit réalisé, donc on, on aborde toutes les thématiques en élevage, que ce soit la gestion de la reproduction, la gestion de l'alimentation avec euh, une, enfin, des calculateurs de ration. Donc, on a, on a vraiment un, un conseil précis euh, sur l'alimentation. La, on gère aussi euh, la gestion du sanitaire, le confort, l'ambiance en bâtiment, etc. L'objectif est vraiment de brosser toutes les thématiques que l'on peut aborder en élevage étier et d'avancer main dans la main avec l'agriculteur pour que demain, on puisse faire euh, avec notre off-nutrition des agriculteurs de LVH des agriculteurs heureux.